Coucou mes belles âmes, bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vous souhaite de la joie, du bonheur, de l'apaisement dans votre cœur également. Sur cette guidance de 21h avec Marie, vous savez très bien maintenant, ceux qui me suivent, que c'est une guidance qui parle des problèmes conflictuels, des situations difficiles dans un lien, dans une problématique, dans un questionnement, quelque chose qui est douloureux, qui a des nœuds. Donc ici, ce soir, je vais inviter Marie qui défait les nœuds pour venir dénouer cette situation et faire en sorte que les choses avancent vers le positif. Donc, je vous invite à faire votre choix, mes belles âmes. Hein, et n'oubliez pas, quand vous faites votre choix, que à la fin de la vidéo, si vous voulez avoir mon numéro de téléphone, je le mets désormais à la fin, tout au bout en fait. Si vous voulez avoir mon numéro de téléphone pour me contacter, vous pouvez le trouver à la fin de la vidéo. Avant, je le mettais au début, mais j'ai changé de mode de fonctionnement là-dessus. Parce que si vous ne voulez pas avoir le contact, ça ne vous oblige pas à écouter ce message de début. Donc du coup, si vous êtes intéressé pour avoir un contact, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Et sinon, vous avez également le mail en dessous de la barre d'infos. Donc, faisons notre choix ensemble ici. Vous avez le premier choix avec ce tarot qui s'appelle Opium, avec la pierre, la labradorite. Vous avez le deuxième choix avec ce tarot, alors je ne me rappelle plus, The Golden Universal Tarot, qui est ici avec la pierre rubis. Le rubis qui est une pierre qui vient changer les choses, qui vient pour basculer ce qui n'a plus lieu d'être. Le rubis également, c'est une pierre qui va montrer tous vos défauts et toutes vos qualités, puissance XXL. Mais quand le rubis arrive dans votre vie, c'est pour un changement positif. C'est-à-dire qu'on va montrer, oui, bien sûr, nos deux polarités, puisque nous les avons, ces polarités, le yin, le yang, le côté positif, le côté négatif, pour pouvoir nettoyer. Et en fait, cette pierre, elle vient pour mettre de l'orage qui va nettoyer et laisser l'arc-en-ciel dans votre vie. En fait, c'est ça, d'accord? Donc, ici, le rubis. Et ensuite, pour terminer, vous avez le troisième tarot qui s'appelle le tarot des sorcières avec la citrine comme pierre. La citrine, c'est la pierre également qu'on utilise beaucoup pour les nettoyages énergétiques. Quand on se sent peut-être envoûté, on se sent coincé, on a des angoisses, on a des peurs aussi, la citrine va venir rééquilibrer tout ça et ça va également nous apaiser les douleurs. C'est une pierre qui apaise les douleurs, d'accord? Donc, évidemment, je n'ai pas expliqué la première pierre qui est la labradorite, c'est la pierre du guérisseur. C'est la pierre qui va venir soigner certains maux dont on ne peut pas toucher, on ne peut pas donner de nom ici. D'accord? C'est la pierre du chaman également qui va utiliser pour pouvoir apporter une guérison miraculeuse. Donc, je vous laisse faire votre choix, mes belles âmes, sur ces trois propositions que vous avez. Allons-y. Donc, juste avant votre guidance, je vous laisse choisir. À tout de suite. Bonsoir, mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, allons-y maintenant pour voir quels sont les messages qui viennent à vous sur cette édition de 21h avec Marie, qui est une édition spéciale, comme je vous l'ai dit. Donc, allons-y. Hein. Je ne sais pas quelle est votre situation, quelle est votre problématique, pourquoi vous êtes là, mais je pense que Maman Marie a des messages pour vous ce soir qui vont vous apporter du réconfort, des réponses qui vont vous apporter de l'apaisement également dans votre cœur. Merci, merci mes guides, merci mes belles âmes qui êtes là. Et vous avez vu, hein, nous sommes déjà à 7000 abonnés. Oh, oh, on a quelque chose de magnifique là. Merci, merci les guides, merci. Ok, go. On a la foi derrière. La foi avec l'hérophante, l'engagement, d'accord, le pacte, le mariage pour certains. Et beaucoup d'amour, le 10 de coupe. D'accord? Il y a un engagement là, avec une personne.
Il y a une demande, il y a aussi un pardon ici, il y a quelqu'un qui revient là pour être correct, pour être juste, pour faire la mea culpa, pour faire une demande en mariage peut-être également, pour s'excuser, pour demander pardon par rapport à quelque chose qui vous a mis dans une énergie, quelque chose qui vous a mis dans une souffrance. C'était comme un fardeau, ça a été compliqué, ça a été lourd. On va aller voir avec cet aura, qu'est-ce que c'est qu'on a comme complémentarité ici. L'oracle de la triade. Il y a eu des mensonges là, par rapport à un homme, par rapport à une femme, par rapport à une personne avec laquelle on est dans une relation. Et vous allez quitter ce silence avec cette personne. Aujourd'hui, on est dans une forme de silence si on ne se parle pas. Il y a quelque chose qui a été froid. On est dans une forme de non-communication. On parle que cette situation va vous apporter une bénédiction. Vous allez trouver une bénédiction par rapport à ça. On a la bénédiction ici par rapport à cette non-communication. Donc, ce que j'entends également, c'était peut-être nécessaire de passer par cette épreuve pour que chacun des protagonistes connaisse l'importance de l'autre. Puisqu'on nous parle ici d'une situation qui a été régie dans un mensonge, il y a eu quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a rendu, regardez la personne comme elle est, à terre. Comme si vous êtes rentré là, vous avez, avec vos talents, si vous êtes une femme, vous vous êtes mis à terre, c'était quelque chose qui vous a cassé. C'est un fardeau. Ce mensonge a été difficile pour vous à encaisser. On parle ici que ce soit vous hein, qui avez été dans le mensonge ou l'autre, ça concerne, vous mettez selon votre situation, selon les cases correspondantes, bien sûr, tirage général, vous gardez toujours votre libre arbitre. Hein. On parle ici que vous allez quitter, vous allez avancer sur cette situation ici, puisqu'on a le chariot. Cette situation a été, vous êtes retrouvé dans une forme de silence. Peut-être c'est vous qui avez gardé le silence, vous allez quitter ce silence. C'est l'autre qui a gardé le silence, il va quitter ce silence. Qui avait mis une non-communication. Il y avait une non-communication là. On ne se parlait plus, on ne se disait plus les choses. On était dans des énergies de froideur ici avec la reine d'épée. On ne voulait plus communiquer avec l'autre parce qu'on a été blessé. On parle de bénédiction à venir par rapport à cette situation. Et regardez ce qu'on a ici. Back together. Back together, love. Back together, my love. Back together with you. Quelle que soit la situation, il y a un retour ici. Que ce soit avec un autre. Avec un travail, avec une situation, quelle que soit la situation, vous la mettez selon votre histoire. Comme j'ai l'habitude de dire, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos histoires aussi diffèrent. Donc ici, on parle de retour de l'âme, de l'être aimé, de l'âme sœur aussi, peut-être ça concerne deux personnes, puisque cette carte ici, on a même allumé des bougies ici, et on est en train de s'embrasser. D'accord? Ça concerne un autre ici, c'est ça qui va se passer, le retour de l'autre, de l'être aimé. On parle ici avec le prince de coupe. Il y a quelqu'un qui a besoin de nettoyer, là, de nettoyage ici, par rapport à cette situation qui concerne de l'amour. Puisque les émotions ici, les coupes nous parlent d'émotions, de sentiments. On est beaucoup dans la relation sentimentale ici, dans une situation avec une personne, un couple ici, d'accord? Puisqu'on nous parle d'engagement également. On vous parle ici, cette personne va venir vous montrer son amour. Vous allez quitter. Briser le silence ici pour repartir avec cette personne et cette personne va vous montrer son amour. On vous demande peut-être d'utiliser de l'eau ici pour vous nettoyer les énergies, utilisez peut-être de l'eau bénite si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de choses ou faites un bon essai de nettoyage pour pouvoir aller vers cette communication puisqu'on parle de communication à venir ici et nous avons la roue de la fortune. Le chariot ici, on va quitter avec le chariot, ça va quelque chose qui va nous apporter le succès, le triomphe ici. On vous dit de casser ce silence, de briser ce silence pour pouvoir enlever ces énergies aujourd'hui de non-communication. Soit c'est vous, soit c'est l'autre ici qui va se passer, qui va se manifester. On parle de communication ici avec la roue de la fortune, ça va avancer. On parle ici du 2 de bâton, nous parle du binôme, d'accord? Le binôme ici nous parle de vous allez peut-être voyager, aller à l'étranger avec votre autre, ou aller peut-être prendre un week-end ou préparer un projet ensemble ou prendre une maison ou aménager ou déménager, je ne sais pas. Vous mettez selon votre situation ou alors vous associez avec quelqu'un également ici. Le binôme ici, le 2 de bâton parle également d'association, d'accord? De partir de l'avant avec deux personnes. C'est à deux ici qu'on fait quelque chose. Le binôme, c'est un engagement avec une autre personne sur 21 heures avec Marie, d'accord? Où on avance, c'est une énergie de feu qui est
déjà en mouvement, quelque chose qui est déjà en mouvement, que vous le ressentez tout de suite ou pas. On parle de communication à venir ici pour avancer vers la paix, vers les retrouvailles, vers un engagement, d'accord? On parle ici d'ancrage. Quand vous allez avancer, quand vous allez voir la lumière de cette situation, vous allez comprendre que c'était un beau cadeau qu'on vous a fait, puisqu'on parle de bénédiction encore une fois ici. On parle ici avec le 4 de bâton, il s'agit d'une famille, d'une maison. Ça concerne une stabilité ou une affaire qui concerne peut-être un travail, une entreprise. On parle de stabilité avec le 4 de bâton, c'est la stabilité. Généralement, le 4 de bâton parle d'ancrage, que ce soit dans une famille, dans un couple, dans un projet professionnel. On parle d'avancée et de stabilité. On parle ici de 5 de pentacle, une situation dans le passé qui a été dans la souffrance. J'adore ce terme. Vous savez maintenant que quand je fais les guidances et qu'il y a le piano en haut, c'est que c'est, on vous dit oui, c'est une bénédiction. Une situation qui a été dans la douleur financière, une situation qui a été dans le manque, une situation qui a été dans la misère au sein de bâton. On vous dit que vous allez retrouver cet ancrage ici et vous allez quitter la misère. J'ai envie de mettre une main. On parle que c'était quelque chose qui était dans les illusions. Vous avez vécu une misère, mais c'était de l'illusion. Quand on parle d'illusion, ça veut dire que c'est quelque chose qui devait être là pour vous montrer le chemin, en fait. D'accord, mes belles âmes? Vous montrez le chemin. Et vous avez souffert, bien sûr. Mais c'était là pour vous montrer le chemin. Et vous donner la sagesse. C'est incroyable, hein? La sagesse. Vous avez appris de ce manque, de cette poche trouée. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont eu un couple qui a été, une situation qui a été dure ici. Des mensonges. Le silence. On parle d'être muselé. D'être muselé. Peut-être que vous ne pouviez pas dire les choses. Il y a eu de la non-communication, de l'agressivité peut-être, des énergies de froideur. C'était tout le temps à couteau tiré, c'était tout le temps violent peut-être aussi, électrique. Mais on vous dit ici qu'il y a un retour à un apaisement, à un amour, à une meilleure communication. Que cette situation concerne un enfant et vous, un mari, une femme et vous, un patron, quel que soit, une sœur, un frère, on parle ici de retour à la communication pour retrouver la sagesse ici. Tout ça, c'était illusoire. Tout ça, c'était comme un théâtre, comme j'ai l'habitude de le dire. Et bientôt, vous allez fermer le rideau. Maintenant, vous allez fermer le rideau. On m'a dit de corriger, ce n'est pas bientôt. Maintenant, vous allez fermer le rideau pour passer à une prochaine scène, puisqu'on parle de beaucoup d'amour ici avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe va vous apporter cet amour ici avec cette personne, avec dans cette situation. Ça concerne une famille, vous allez retrouver l'amour ici, d'accord? Et le back together ici, vous allez vivre cet amour au grand jour. Beaucoup d'amour dans cette relation. On parle ici de stabilité avec la 9 de déni. La stabilité, la 9 de pentacle, si vous parlez de stabilité, quand vous allez avancer avec cette personne, avec cette situation, c'est la 9 de pentacle ici, c'est la stabilité, c'est l'indépendance financière, l'autonomie. La responsabilité aussi, on me dit, que vous avez eue face à cette épreuve va vous apporter le réconfort, le confort, l'élévation sociale dans cette épreuve. On parle ici d'engagement et de pacte peut-être, de contrat, de mariage. Ça peut concerner encore une fois le financier, le professionnel, la famille, un couple. D'accord? On parle de retour de l'être aimé ici, avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce que j'ai avec la carte de pentacle? La paix. Vous allez retrouver la paix. Hein? Vous allez retrouver la paix dans un foyer. Vous allez retrouver l'amour également. Et vous allez retrouver l'argent. On a la richesse ici. J'ai parlé d'élévation sociale, financière. Il y a une leçon d'argent ici. Après ce manque, vous avez manqué ici. On vous parle que c'était illusoire. Vous deviez passer par là. Et pour pouvoir vous élever, il fallait que vous passiez par là pour comprendre ici que vous étiez dans un chemin de vie en tout cas. Il fallait passer par là et ça vous a demandé de faire preuve de sagesse.
aujourd'hui, vous avez compris. Maintenant que vous avez compris, on vous apporte cette abondance. Ça, c'est la couronne d'abondance. C'est écrit richesse dessus. Vous allez retrouver dans cet engagement, avec cette personne, avec ce travail. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se remettre ensemble ici et vous allez travailler avec votre autre ici. Parce que la carte du binôme également, on a le 2 de bâton qui parle également de travail. Vous allez peut-être travailler avec votre autre ici dans une situation, si ça concerne un couple, vous allez peut-être monter un projet, vous allez peut-être faire de l'immobilier, je ne sais pas, j'entends parler de déménagement, d'aménagement, de faire des projets à deux qui vont vous apporter de la richesse, qui vont vous apporter de la paix dans un foyer, la paix avec vos enfants, si vous avez des enfants, ou si vous avez une famille, la paix dans votre famille. D'accord? On parle d'engagement. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai des frères. Là, j'ai la carte de l'âme sœur ici. Des flammes jumelles. Les frères, c'est l'âme sœur, les flammes jumelles. Ça peut aussi être des frères de sang, ok? On parle ici qu'il y a eu des erreurs de fait dans le passé, mais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va être mis à terre là. La foudre. Vous avez une grande protection des guides. J'ai une femme ici. J'ai une femme ici forte. J'ai une femme sage, j'ai une femme intelligente. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut aussi être une maman. D'accord? On parle de retour ici. Et j'ai encore une fois la science, la fin, une situation, l'ouverture de porte et la protection de Dieu ici. J'ai la carte de Dieu ici, l'œil de Dieu qui veille. Vous allez retrouver vos énergies passées. Hein. On parle d'énergie ici avec ce mariage, d'accord? Qui a été peut-être une souffrance, on a le nadir encore là. On a le voyage derrière, on parle de nécessité encore. J'ai eu les mêmes cas pour le mercredi, on parle de naissance ici. Vous êtes accompagné par le Christ dans cette situation, on parle ici de votre âme. Votre âme a été longtemps dans le noir là, vous avez vécu quelque chose de dramatique mes amis. Vous avez vécu de l'adversité, votre âme a vécu de l'adversité. Votre âme a vécu une douleur, un trou noir de l'âme, un trou noir de l'âme. Mais vous allez quitter ça avec la carte du voyage derrière, vous allez quitter ça. Cette adversité, vous allez la quitter désormais pour aller vers la paix. Vous avez la paix ici, dans un couple, dans une union. On parle ici de voyage et on parle de réussite. D'accord? On parle de réussite. J'ai le sceau, qu'est-ce que le sceau me parle ici? Moi, là, on vous dit ici, cette situation était une épreuve et elle faisait partie de votre chemin de vie. Le sceau me dit quoi? La carte du sceau. La 12. Scellé, contrat. On parle d'un contrat qui va être scellé, une union qui va être scellée, quelque chose, un contrat, un pacte, une concrétisation. On parle de concrétiser ici. De construire, de bâtir, approuver et mettre son nom quelque part. Vous allez peut-être vous marier et signer, mettre votre nom, prendre le nom de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. De mettre son nom quelque part. Ça peut être aussi une société que vous allez mettre votre nom quelque part. D'accord? On parle d'expiation, supplier, sentence. D'accord? Alors, ce n'est pas la bonne carte là. Donc, ok, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes passé par une pénitence dans le passé. Vous avez expié déjà vos péchés, vous avez expié déjà votre douleur, vous avez été dans les supplier, vous avez été dans la sentence par rapport à ce manque d'argent, d'accord? Vous avez vu comment les énergies sont? On parle d'illusion et que maintenant, vous allez sceller, je reprends, avec le sceau, le contrat, le pacte, concrétiser, construire, bâtir, approuver, poser son nom à, poser son nom quelque part. On parle ici, acceptation, marque. Vous allez mettre peut-être une marque qui va marcher. Marque, on parle de marque, on parle d'acceptation, on parle de signature, on parle de distinction, quelque chose qui va vous distinguer des autres. Waouh. Waouh. C'est magnifique. Alors, moi, j'entends ainsi pour certains le retour ici, que ce soit dans la vie, encore une fois, professionnelle ou sentimentale, ce retour de cette situation, c'est un retournement de situation qui est en votre faveur et qui va vous apporter de l'abondance et de l'amour. De l'abondance et de l'amour. Vous avez vécu quelque chose ici qui était comme une pénitence, qui a été difficile, mais voilà ce qui vous attend désormais, le retour de l'être aimé, d'accord?
avec quelqu'un avec qui vous allez signer un contrat, vous allez mettre un nom, vous allez unir vos noms. Ça va être un pacte ici. Un pacte dans l'amour, bien entendu. Et si ce n'est pas une personne, que c'est un travail, c'est une entreprise, on parle ici de mettre votre nom, d'une marque. On a parlé de marque, on a parlé de... Franchement, c'était incroyable. On a parlé de marque, de nom, on a parlé de signature, de distinction. C'est un travail, vous allez être distingué des autres. Voilà ce qui vous attend sur cette guidance. Merci mes belles âmes d'avoir été là jusqu'au bout pour le premier groupe. Je passe au deuxième groupe. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et à très vite. Coucou mes belles âmes, bienvenue pour les personnes qui ont fait le deuxième choix avec ce tarot de Golden. Ouais, ça m'énerve, je vais aller voir. J'aime pas me tromper sur les tarots. Ouais, c'est bien ça. Golden Universal Tarot, ok? C'est ça. Golden Universal Tarot, c'est ce qu'ils veulent l'acquérir. Voilà. Il est fait par qui d'ailleurs? Il est fait par Tati-Tata. Oui, c'est Honor. By Roberto De Angelis. Roberto De Angelis. Voilà. C'est fait. On va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous ici pour les personnes qui ont fait ce choix avec la pierre Ruby. Vous avez bien compris à quoi elle sert cette pierre, d'accord? Elle apporte beaucoup de changements et elle bouscule aussi certaines choses en nous, mais pour un mieux être. Moi, quand j'ai eu le Ruby, qu'il fallait que j'utilise pendant une période, je peux vous dire que ça fait un remue-ménage dans ma vie, mais aujourd'hui j'en suis très fière. Donc au début ça peut nous secouer. Alors cette pierre également, regardez ce que j'ai la 9 de pentacle ici. La 9 de pentacle nous parle d'autonomie, d'indépendance financière, matérielle, sociale, spirituelle. C'est la carte de l'autonomie dans tous les domaines. Sentimental. Vous allez retrouver votre autonomie ici. Quelle que soit la situation dans laquelle vous avez été dans le passé, ça c'est la carte de la mini-mort, ça c'est la carte du coma, ça c'est la carte du ressourcement. On nous demande de nous reposer parce qu'on a été à terre. D'accord? Vous partez de cette énergie pour retrouver ça. Là, c'est un saut quantique que vous allez faire. Vous allez devenir autonome. Si vous étiez dans la dépendance affective, dépendance financière, quelle que soit la souffrance qui va pu vous mettre dans cet état-là, vous allez vous en sortir vainqueur ici. C'est ça que ces deux cartes veulent dire. Waouh! Regardez ce que j'ai. Heureusement, je fais les cartes devant vous. Hein. Waouh! Excusez-moi. Je voulais juste m'assurer, j'ai eu un doute, je voulais juste m'assurer que ma vidéo était bien en marche. Et effectivement, elle est bien en marche. Heureusement, je fais l'état devant vous. On part de cet état. Là, la même carte est ressortie. La 4 d'épée, c'est la carte du coma, où on a été à terre. On a frôlé peut-être la mort parce qu'il y a une situation qui nous a mis dans, qui nous a fait perdre notre âme. Nous a fait perdre notre force, nous a fait perdre notre dignité, nous a fait perdre notre honneur. On va repartir de là pour retrouver cette carte de l'impératrice. Regardez cette dame comme elle est magnifique. Elle a en plus habillée en vert, le vert c'est la guérison. Elle a du vert et du rose. Elle va retrouver son amour propre ici. Elle va retrouver son abondance matérielle, financière, d'accord? Derrière, il y a eu quoi? De la jalousie. On a eu de la jalousie là? Oui. On a eu des mensonges, oui. On a eu de la triangulaire, oui. On a eu de la déception, oui. On a eu des vols, on nous a volé notre vie, on nous a volé quelque chose qui nous appartenait, oui. On a été traîné devant la justice, on a été traîné dans la boue, oui. Cette carte, elle peut parler de tout ça, d'accord? On va aller voir. Là, vous partez... en fait, c'est comme si vous êtes arrivé... Je vois une image de quelqu'un qui est dans une piscine qui est en train de se noyer.
Elle voit que elle est en train de se noyer et qu'il y a des gens qui sont là, mais personne ne la voit. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Je vais jusqu'au fond parce que de toute façon, je suis déjà là. Et elle appuie ses pieds comme ça au fond pour remonter et elle remonte. Là, vous ressuscitez, là, vous revenez d'autres tombes avec cette carte. Vous revenez d'autres tombes. C'est vraiment l'image que j'ai. Il y a un adage qui dit chez nous, dans mon pays, d'où je viens, le Cameroun, quand tu meurs, tu acceptes la décomposition. En fait, il y a des gens ici qui ont vu leur descente en enfer et qui savaient pas quoi faire. Ils n'avaient plus de force. Ils se sont laissés aller. Ils étaient même prêts à mourir, à partir. Mais ils savaient que de toute façon, avec la foi qu'ils avaient, ils allaient remonter. Et c'est ça, en fait, votre foi qui les a sauvés, vous a permis de remonter parce que vous n'avez pas voulu accepter cette défaite. Merci. On a quitté un endroit où il n'y avait plus de communication, où il y avait de l'hostilité, il y avait quelque chose de compliqué. Si vous ne l'avez pas quitté encore, vous allez le quitter. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite ici à voir le rubis. Si vous avez besoin de cette pierre, vous pouvez me la commander parce que je les vends également. Vous me les commandez ici, je vous les livre, ou vous venez les chercher à Paris, au cabinet, si vous êtes dans la région parisienne. Si vous venez à Paris, je ne sais pas. Mais on peut vous les livrer. Vous allez quitter un endroit là, où vous l'avez déjà quitté, où vous êtes en train de vous préparer à le quitter. Ok, on a le monde. On a la 8 de coupe ici. Donc, on quitte un endroit, encore une fois. On quitte un endroit. On a le 2 de bâton où on avance. C'est une énergie de feu. Vous allez peut-être quitter avec une personne. On a encore la 9 de pentacle ici. On a l'ermite. L'ermite, c'est aussi l'énergie vieillissante, l'énergie de la sagesse également. Peut-être que vous avez un guide. Un grand-papa, je ne sais pas, qui va vous aider, ou un oncle, ou ça peut être un oncle aussi, qui va vous aider à retrouver cette autonomie, cette indépendance financière ici, qui va vous guider. Il y a un guide ici. Ce n'est pas un ancêtre, c'est votre sagesse profonde ici, parce que la neuf de deniers, c'est quand on part dans la grotte pour demander la sagesse, la lumière au divin. Mais j'entends ici que vous avez un guide, ça peut être un oncle à vous, ça peut être un oncle ici, j'entends beaucoup plus un oncle ici. D'accord? C'est quelqu'un là qui vous guide, c'est quelqu'un de sage. Dans une situation qui était bloquée. C'est le guide là-bas, vous aider à la débloquer pour retrouver votre indépendance, votre autonomie. Vous allez recevoir une coupe ici d'une personne, peut-être d'un homme. Quelqu'un va venir vous donner une coupe ici. Que vous êtes, si vous êtes un homme, vous allez peut-être recevoir la coupe ici de votre autre ici qui est une femme ou d'un enfant ou d'un ami. Quelqu'un va vous apporter quelque chose ici sur un cheval. Bien sûr, c'est une image. Hein. Vous allez quitter cette carte, cet oncle va vous aider, ou ce guide ici, ou cet ancêtre va vous aider à quitter cette situation qui était bloquée pour aller retrouver une situation qui va vous apporter du plaisir, du bonheur ici. Un nouveau projet aussi, ça peut être un nouveau projet aussi, pour retrouver quoi? Votre indépendance, votre autonomie. L'impératrice qu'on avait tout à l'heure, vous allez retrouver ça. On vous invite également à voir la pierre, l'œil de tigre ici, pour retrouver cette autonomie. L'œil de tigre ici, c'est la protection contre le mauvais œil. Une fois que vous allez être là dans ces énergies-là, quittez ça. Parce que regardez ce qu'on a. On a le diable. Le diable sur vos projets, le diable sur votre couple, votre travail, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez quitter ça. Ce que j'ai ici, je pense que vous avez compris un peu, j'ai été chercher autour là, parce que le noyau central lui-même il est là, mais on m'a donné déjà la tendance de ce qui se passe dans votre vie et ce qui va se passer, la conclusion presque. On n'a pas encore la conclusion totale, mais on a déjà éméché là, ébréché là. Dans le passé, vous avez eu une situation qui vous a rendu hyper, hyper triste. Très triste. Cette situation, vous allez la quitter, vous avez bien compris ça. Parce que regardez cette personne, elle a le dos tourné là.
elle est triste. Et si on a un homme, ça peut être que vous êtes un homme, ça peut être que vous êtes une femme et que vous avez été triste par rapport à un homme. On parle ici qu'on ne voit pas, cette personne a le dos tourné, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu de l'argent, elle a perdu une maison, elle a perdu quelque chose qui concerne peut-être la matière. Elle a perdu un amour ici. Mais cette personne regarde ce qu'elle a perdu alors que derrière, l'univers est en train de lui donner deux autres coupes. Elle a trois coupes qui sont à terre. Il y a trois coupes qui sont à terre. Elle ne regarde que ces trois coupes. Mais si cette personne avait pensé à se retourner, on dit que la chance, c'est comme le vol d'un oiseau qui passe derrière vous. Si vous retournez, vous l'attrapez, sinon elle s'en va. Et vous allez attendre le prochain tour. Cette personne a deux coupes là qu'elle ne voit pas et elle est triste pour ça. Parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a deux coupes qu'elle peut saisir pour repartir de nouveau. On vous dit ici, sur cette guidance, que ce qui est tombé là, ce qui est parti par terre, c'est déjà parti, c'est le passé. Vous ne pouvez plus l'attraper. Par contre, l'univers est en train de vous faire un appel là, de phare là, qu'il y a quelque chose à côté de vous. Regardez, retournez-vous. Et vous allez avoir le choix même. Puisque vous avez deux couples, vous pouvez les prendre toutes les deux, comme vous pouvez les laisser. On vous dit le choix vous appartient. Peut-être que l'univers a mis quelqu'un dans votre vie aujourd'hui pour vous apporter, pour faire quitter ces énergies toxiques, pour faire quitter cette dépendance ici, affective, cette dépendance financière, cette toxicité ici avec le diable. Donc, c'est à vous de faire le choix. Et on a ici le pape. Le pape, c'est le summum de la sagesse. De l'autre monde, de la connaissance intérieure, d'accord? De la connaissance qui touche, on va dire, qui a trait à la divinité, du monde qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, qui n'est pas palpable. Donc, soit vous avez déjà cette connaissance, soit on vous invite ici à la voir. Et pour la voir, on vous demande d'avoir la foi, de méditer, de croire en ce qu'on ne peut pas voir. En ce qu'on ne peut pas toucher, à cette énergie qui est puissante, qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de nous, que vous allez pouvoir vous relever de cette situation. Mais vous le savez déjà, puisque vous avez déjà eu des informations avant que je ne rentre dans le vif du sujet. C'était exprès pour que vous compreniez, que vous soyez attentif à ce que vous compreniez ici que le choix vous appartient. Vous voulez quitter cet endroit hostile, c'est à vous de le faire. On parle ici d'une situation, il y aura peut-être, vous avez besoin d'utiliser votre foi ici, de prier, de méditer, même si ce n'est pas dans vos habitudes, allez chercher sur internet comment prier, allez écouter les prières ici, en boucle, il y en a, des rosaires, des sorates, peu importe, mais on vous invite ici à demander à la source de vous aider pour cette situation, pour quitter ces énergies toxiques, ou vous êtes encore aujourd'hui en train de vous battre. Vous êtes dans une situation où vous vous battez là. Le 5 de bâton, on se bat, on est dans une dualité. Et le 5 de bâton, cette carte, elle m'intrigue parce que c'est une carte où on se bat finalement pour quelque chose qu'on n'est même pas sûr qu'on va gagner. Au final, on se bat pour l'honneur ici. On se bat pour nos valeurs aussi, c'est bien. Mais on se bat, au final, c'est comme un combat de boxe où chacun va laisser des plumes. Même si tu es le gagnant, tu as quand même pris des coups à la boxe. Hein. C'est un combat où on ne sort pas de là sans avoir laissé des stigmates. Donc aujourd'hui, pour que ces stigmates soient moins importants, on vous demande d'utiliser votre foi, de prier, de demander à la source ici de vous aider. La carte du pape, c'est le divin aussi qui va vous accompagner dans ce cheminement-là. Pour que ce combat, cette lutte soit, vous allez passer par là, ça c'est sûr, mais pour que ce soit allégé, que ce soit moins violent. Parfois, il y a des combats qui sont nécessaires. Parce que si vous n'y allez pas, vous êtes déclaré, on vous déclare forfait. Et les combats, ils sont nécessaires de donner un change. Vous n'avez pas le choix. Peut-être c'est un procès avec un enfant. Que si vous n'allez pas, on va vous dire que vous n'êtes pas partie parce que vous êtes orgueilleuse, parce que vous avez pensé que vous êtes supérieure aux autres. Peut-être c'est un enfant qui vous attaque ici. Peut-être c'est votre mari qui vous attaque ici. Vous êtes obligé de donner le change. Mais pour que ce soit moins violent, on vous demande d'utiliser la foi. Je ne connais pas vos situations, mais on vous demande ici
de vous retourner vers le divin et de demander qu'il vous accompagne parce qu'il y a quelque chose ici dans lequel ou dans laquelle vous êtes obligé de passer. La carte centrale nous parle de jalousie. La carte centrale nous parle de misère, de mendicité, de pauvreté, quelque chose que vous avez mis dans la pauvreté, dans le manque financièrement ici. La carte centrale nous parle de découvert. La carte centrale nous parle ici de fond de tiroir. On a deux cartes ici. La carte centrale nous parle ici d'adultère. La carte centrale nous parle ici de mensonge. La carte centrale nous parle ici de triangulaire. La carte centrale nous parle, encore une fois, je reviens dessus, de jalousie, quelque chose qui a amené de la jalousie profonde ici et vous a fait être dans le manque. Ça peut concerner des amis, ça peut concerner un mari, ça peut concerner une femme, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner des voisins, ça peut concerner le professionnel. Peu importe votre situation qui vous amène aujourd'hui, on vous parle ici d'une situation qui était amenée par de la jalousie et qui vous a mis dans une forme de détresse et de misère. On vous dit ici, vous allez quitter ça. Vous allez le quitter parce que vous allez faire le choix d'utiliser votre foi et de demander à l'univers de vous accompagner. J'entends ici que pour certains, la douleur a été telle que même au niveau des épaules, d'accord? Là, comme ça, au niveau des épaules, j'ai la douleur aussi au niveau de l'épaule droite ici, pour certains qui écoutent cette guidance. Il y a des gens ici qui ont des douleurs au niveau des épaules, mais l'épaule du côté droit ici. L'autre jour, j'ai fait une guidance dans le côté gauche. Là, je ressens vos énergies là, je les porte avec moi ici, d'accord? On dit au niveau de l'épaule droite ici, de la nuque également, d'accord? Le dos, il y a des douleurs. C'est quelque chose qui est lourd, qui vous a fait sombrer. On vous dit que vous allez le quitter avec la carte du monde pour aller vers un nouveau cycle. Arcane majeure, d'accord? Le diable arcane majeure, l'impératrice arcane majeure, le pape arcane majeure. On vous dit que vous allez quitter ça pour aller vers le monde, vers le nouveau cycle, vers le renouveau, vers la paix, vers la légèreté. Et pour ça, vous êtes obligé de tourner le dos à une maison, à un travail, à un endroit. Ou c'est vous ou c'est l'autre, hein? Ça peut être vous comme ça peut être l'autre protagoniste qui est concerné dans cette affaire. Donc, vous pouvez regarder cette guidance qui vous concerne vous directement ou elle peut parler pour votre ami, pour votre partenaire, pour votre enfant, pour votre fille, pour votre fils, pour votre mari, pour votre... Je ne sais pas pour qui vous regardez cette guidance, mais on parle ici de quitter un endroit là où on a été dans la misère, où on a été dans la souffrance. On va faire le choix d'utiliser sa foi. Il y a encore des petits combats à essuyer. Il y a encore des situations qui vont vous demander de l'argent, peut-être que vous n'en avez pas, vous payez peut-être un avocat, vous payez, mais vous allez trouver le moyen de quitter cet endroit. Coûte que coûte. Parce que c'est quelque chose qui va être amené par le divin, parce que si vous le demandez, il vous dit, frappez, on vous ouvrira. Si vous le demandez, vous allez trouver des solutions. Oui, vous allez trouver des solutions, parce qu'on vous parle ici de vous débloquer, d'une situation qui était bloquée. On parle, encore une fois, d'un nouveau départ ici, avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le divin qui sort sa main ici d'un nuage et qui dit « Enough ! Cette situation n'a que fait que trop durer. Ça suffit maintenant. Lève-toi et marche. » Il y a des gens ici qui étaient à terre, qui ne savaient plus par où. À quel sens se vouer, par où commencer, comment ils vont faire. J'entends des gens ici qui sont dans leur chambre, qui ne veulent même pas sortir de la maison, qui regardent les gens de dehors comme ça par la fenêtre, tellement vous avez été attaqué, tellement vous avez été meurtri par cette situation. Le divin, il vous dit ici, parce que vous avez eu la foi, vous lui avez confié cette affaire, j'entends encore, ça revient encore dans mes guidances, d'aller à l'église Sainte-Thérèse de Lisieux, de l'enfant Jésus, j'entends. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Il y en a 13 de Sainte Thérèse, je pense, en France. Il y en a 13. Peut-être dans votre région, peut-être dans votre ville, il y a une église de Sainte Thérèse. Regardez sur Internet. Allez faire un don, allez faire un vœu, allez faire poser, donner des fleurs, allez allumer un siège, allez prier à Sainte Thérèse de Lisieux.
l'enfant Jésus. Pas forcément à Lisieux, mais une église qui s'appelle Sainte-Thérèse, l'enfant Jésus. Allez faire un don ici. Allez demander qu'elle vous aide à prier pour cette situation. Et bien sûr, vous confiez cette affaire à Maman Marie. Et on me dit, Sainte-Anne, vous avez une milice là, hein? On vient à la rescousse là, hein? Pour remettre les choses à l'ordre aussi. Ça va être rapide, hein? Je vous ai dit, le rubis, quand il sort, c'est rapide. Ça va être rapide ici, comme le chevalier de paix. Vous allez sortir de là rapidement, on me dit. Mais pour ça, il faut que vous demandez. Il faut que vous ayez la foi. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. On vous dit ici, vous allez quitter cet endroit-là. Vous retrouvez votre indépendance, votre autonomie financière. Si vous allez signer un contrat également, là, il y a un contrat, là, un engagement. Là. Il y a un engagement ici, avec la 3 des Pentacles, par rapport à un travail pour certaines personnes. Ici, il y a des gens, ça concerne, pour certains, ça concerne un travail, pour d'autres, ça concerne une relation sentimentale. Si c'est dans le sentimental, on vous invite ici à mettre également la pierre de l'œil de tigre. Pour ceux qui sont dans cette situation sentimentale, on vous demande de mettre la pierre de l'œil de tigre ici, puisque nous avons l'œil de tigre ici avec l'impératrice et le chevalier de denier, de coupe. Il y a un homme qui vient vous donner son amour, là, ou une femme. On vous demande de mettre la pierre, l'œil de tigre ici. D'accord? Pour vous, l'impératrice. Et on parle du 2 de bâton pour le professionnel, pour certains ici qui va avancer, ou en binôme avec quelqu'un. D'accord? On a un 2 de bâton ici pour une situation, que ce soit dans la famille. Ça va avancer avec quelqu'un. Le binôme ici, c'est deux personnes. Vous allez peut-être aller à l'étranger. Vous allez peut-être créer un nouveau projet. On parle du 2 de bâton ici, quelque chose qui est déjà dans un mouvement de feu. Ça avance. C'est une énergie qui est tout feu, tout flamme ici. Le 2 de bâton, je dis encore une fois, c'est quelque chose qui bouge vers l'extérieur. Vous allez partir ailleurs que où vous êtes. On parle de quitter un endroit. Ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être un travail. Mais j'entends, c'est plus géographique ici. On va quitter un endroit géographiquement ici pour aller vers un autre lieu. D'accord? On parle que vous allez quitter les blocages ici. Peut-être qu'il est lié à un contrat avec une personne, si c'est dans un mariage. Vous avez un oncle là ou un grand-papa là, ou un ancêtre ici qui va vous aider à quitter ces blocages pour retrouver, encore une fois, la première carte qui est tombée, la 9 de Pentacle. L'indépendance, l'autonomie, matérielle, financière, sentimentale, sociale. Ça, c'est la carte de l'indépendance et de l'autonomie dans tous les domaines. Sentimentale. Il y a un ancêtre là qui vous aide. Il y a quelqu'un là qui vous aide. Un guide spirituel qui vous aide là. D'accord? Allez retrouver quoi? Le soleil. Le soleil, c'est la réussite, l'abondance sociale, matérielle, sur cet engagement, sur ce contrat. C'est la réussite familiale, c'est la réussite sentimentale. Ici, vous allez retrouver le soleil sur ces énergies toxiques, négatives, qui vous ont mis dans cette posture de mini-mort. D'accord? On vous dit que c'est la fin avec le 10 d'épée. C'est la fin. Vous êtes arrivé à bout de force. Et quand on arrive à bout de force, qu'est-ce qu'on fait? On vient vous sortir de là. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure que vous étiez au fond, je pense que c'était dans cette guidance, où il a fallu que vous plongiez en dessous pour pouvoir vous ressortir et émerger. D'accord? Émerger à nouveau. Vous sortez d'outre-tombe là. Vous sortez d'une noyade là. Vous sortez d'une noyade, on me dit. Peut-être c'est une vraie noyade ou peut-être c'est une image tout simplement. Il y a des gens qui sont en train de se noyer quelque part et vous sortez de là, vous respirez à nouveau, vous sortez de là avec cette énergie toxique. Et le diable, hein, on vous parle d'une période d'attente ici. Attendez, les choses arrivent, d'accord? Soyez patient. Ça, c'est la carte qui vous dit, vous sortez de là, mais soyez patient avant de passer le pont pour aller vers ce nouveau cycle. Il y a quelque chose qui doit être mis en ordre aussi parce que la carte du jugement ici, viens remettre de l'ordre. Le jugement, c'est le changement. C'est la trompette finale. Ça, c'est un arcane majeur. Quand l'univers la met, vous quittez des résistances. Quelque chose qui était dans la résistance, comme si on avait cadenassé pour ne pas bouger. On quitte ça avec le jugement. On quitte cette résistance. On quitte cette dureté, cette dualité qui était vraiment assez présente, assez forte. Quelque chose qui était gelé, frigorifié. D'accord? Vous quittez ça. On parle de quelque chose qui était dur comme le roc, là. Vous quittez ça pour aller vers cet amour. Encore derrière, nous avons quoi? Nous avons l'empereur. Si vous êtes un homme ici, on a l'impératrice d'un côté, on a l'empereur de l'autre côté. Si vous êtes un homme ici,
ou que ça concerne le professionnel, on vous dit que vous allez retrouver peut-être des travails, peut-être avec quelqu'un de jeune, qui va vous apporter ses compétences, des nouvelles compétences, l'énergie de jeunesse, peut-être immature, mais vous allez lui montrer le chemin ici pour pouvoir partir vers cette légèreté. Vous allez quitter des blocages avec peut-être une femme aussi, si vous êtes un homme, la reine d'épée. Et on parle de pardon, on parle de retour, on parle de retrouvailles, on parle d'excuses, de mea culpa, et on parle de rééquilibrer ici, de justice, d'accord, de balance ici. Et on parle de reconnaissance derrière. On parle de reconnaissance. Et on parle de quoi? Regardez. Le Graal, l'as de coupe. Vous allez retrouver cet amour avec vous d'abord, mais avec l'autre aussi dans la situation dans laquelle vous êtes ici aujourd'hui. D'accord? On parle pour certains ici d'âme sœur. Vous avez peut-être été dans cette situation, on a encore notre fameuse carte hein, qui est ressortie, donc on s'arrête là. La 4 d'épée. Vous avez peut-être vécu ça avec un homme qui était votre âme sœur ici. Puisque le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. On parle d'excuses ici. Et de rééquilibrage ici. On parle d'excuses et on parle de famille. 10 de denier, c'est une très belle carte. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, financière. Des pardons, des excuses dans tout genre. Et on parle de route de la fortune. Vous allez avancer et quitter cette nostalgie, cette souffrance ici. Je vais m'arrêter là, parce que là, derrière, nous avons quoi? Le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. On se jette à l'eau, on part. On quitte ça, d'accord? On vous invite ici, pour certains qui savent prier, à faire le chapelet. Ça, c'est le chapelet de l'archange Michael. Et à demander à l'archange Michael de venir vous aider sur cette situation également, d'accord? Faites le chapelet avec l'archange Michael. Bien sûr, le chapelet parle de la Vierge Marie, de l'aide de la Vierge Marie ici. J'ai une reconnaissance ici par rapport à une âme sœur, par rapport à une âme sœur, pardon, sur une situation qui concerne beaucoup, beaucoup d'amour. Qu'on a quitté ou qu'on doit quitter. D'accord? Il y a des pardons là et des réconciliations. Voilà mes belles âmes. J'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous. Je vais demander une petite carte de cet oracle de Heal Yourself avec l'oracle qui est. Tu nous parles également. Non, c'est pas heal yourself. Comment? Peut-être c'est un lapsus révélateur aussi. Hein. Heal yourself, ça veut dire soigne ton âme. Et ça, c'est l'oracle de Everyday Wishtaro. C'est l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, le magicien. Le magicien, c'est aussi la carte du miracle. Hein. On parle ici que vous allez sortir d'autres tombes là, pour certains. Des gens qui étaient enfermés dans cette douleur. Cette trahison, cette jalousie, vous allez sortir de quelque chose là. On parle ici affirmation for healing to heal. Ok, vous voyez, on parle encore de guérison. On vous dit affirmez votre guérison de cœur ici. Affirmez-vous pour une guérison de cœur. Demandez et l'on vous donnera. Affirmez pour votre guérison de cœur ici. On vous demande de donner de l'amour. Give love. Allez allumer un siège dans une église. Sainte-Thérèse, s'il y en a, s'il n'y en a pas, allez dans une autre. Hein. Et allumez ce siège pour que l'amour. On demande même d'allumer deux sièges, regardez. Give love. Allumez deux sièges ici si vous êtes dans une situation qui concerne deux personnes ou une situation qui vous a mis dans cet état. Allumez deux sièges pour vous et pour la situation pour laquelle vous avez été triste. Pour que cette situation se transforme en énergie d'amour, on me dit. Et on parle ici de la méditation for creativity. Méditez pour votre créativité ici. Demandez à l'univers et on vous dit demandez et là on vous donnera encore une fois. On demande de planter, s'aimer quelque chose ici pour vous apporter votre créativité. S'aimer en allumant ce siège, en faisant ce don, en donnant peut-être à un aveugle, à un mendiant, à quelqu'un pour pouvoir l'aider pour quelque chose ici, à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi on parle d'aveugle. Peut-être on demande de faire un don à une association pour les aveugles ici, d'accord? Des gens, vous savez, des gens qui ont besoin de chiens pour les guider, pour les accompagner. Peut-être des gens qui ont besoin qui ne voient pas et qui ont besoin de GPS ici. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une application là qui vend des GPS audio pour des aveugles. On vous demande peut-être de faire un don pour ces associations-là. On dit que vous allez planter quelque chose qui va s'aimer, qui vous apporter de la verdure en faisant ça.
pour votre créativité. Et on parle ici avec le changement, on parle de magicien. Le magicien du grand tout ici, l'univers, par rapport à la carte du pape, on vous parle que vous allez avoir deux clés qui vont ouvrir deux portes. Là. J'entends deux clés. Peut-être pour le cœur et pour le professionnel. Vous allez avoir deux clés, puisqu'on a le 2 de bâton encore une fois qui parle de mouvement, d'engagement, d'aller de l'avant, d'ouverture de deux portes ici. Vous allez ouvrir deux portes ici. On parle ici de vous guérir par l'eau, par un nettoyage énergétique ici, par l'eau. On parle ici, give into passion. Donnez-vous à votre passion. Vous êtes quoi? Vous faites du violon ici peut-être? Peut-être que vous avez peut-être été dans une... peut-être ça concerne pour certaines personnes. J'entends parler d'un artiste ici qui fait du violon. Peut-être que vous faites du violon et vous avez été déçu par quelque chose ici qui vous a fait peut-être laisser tomber votre créativité. On vous dit ici de faire un don dans une association, dans le sens dont je viens de parler tout à l'heure, pour retrouver votre inspiration ici dans votre travail. On parle de quelque chose ici. Si vous êtes musicien, ça vous concerne ici. Aussi, de faire un nettoyage à l'eau ici. Bien sûr, sur ma chaîne, vous savez très bien maintenant, pour ceux qui me suivent, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, une bienvenue chaleureuse, bien entendu. Je fais des nettoyages à l'eau ici, de mer, que je réserve, des séminaires qui sont réservés à l'avance à Cannes. Donc, pour des personnes qui sont intéressées pour aller faire un nettoyage profond à Cannes, à l'eau de mer, c'est un séminaire qui est sur... C'est un nettoyage énergétique qui est sur 3 jours. Bien sûr, on fait un séminaire également sur une journée avec enseignement, etc., dans un hôtel 5 étoiles. Donc, vous avez petit déjeuner offert. Vous pouvez venir avec la personne de votre cœur, avec un enfant, avec une amie. Et c'est vraiment très abordable hein, pour les 3 jours. Le soin avec une guidance offerte dedans. Donc, on vous invite peut-être ici à faire un nettoyage à la mer si ça vous intéresse. Vous pouvez déjà vous inscrire pour le prochain séminaire que j'organiserai sur Cannes. D'accord? J'entends qu'il y a des musiciens ici qui vont peut-être venir faire une action pendant ce séminaire. Il y a des gens ici qui sont musiciens qui vont donner créativité pour que le séminaire se passe mieux. J'entends ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui joue au violon qui va venir apporter cet air ici, de violoniste ici pour pouvoir... C'est comme un don. Ce sera comme un don. Si c'est vous, si vous vous sentez concerné, inscrivez-vous pour venir à ce séminaire et ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Et j'entends qu'il y aura de la reconnaissance dans votre vie. Il y aura de la reconnaissance, d'accord? J'entends ici pour certains, imaginez votre vision. Qu'est-ce que vous désirez également ici? On vous demande d'écrire vos vœux ici sur un papier. Écrivez vos vœux. Je conseille souvent d'écrire les vœux avec du stylo vert. Donc, écrivez vos vœux ici pour des personnes. C'est sur la carte du 4 d'épée. Hein. Voilà, vous avez compris. C'est la carte de la mini-mort où on est à terre. Et cette carte, si vous la regardez de près, bien que je n'ai pas de retour caméra ici, on a une personne qui est à genoux devant la Vierge Marie, devant des vitraux, et qui demande de l'aide de la Providence, de l'aide de la Vierge Marie. C'est peut-être un appel ici, une information à faire un chapelet, à demander à Maman Marie, que vous soyez chrétien, croyant ou pas, vous êtes sur 21 avec Marie, le message vient de sortir. On vous dit d'écrire ici, sur un bout de papier, avec un stylo vert, vos vœux, d'accord? Vos vœux, et de jeter ça peut-être dans un cours d'eau, dans la mer, ou mettez ça dans un jardin, mettez ça dans un bol, et vous le jetez vous habitez dans l'appartement, mettez ça dans un bol, ça se déchire, et vous jetez ça dans la rigole, pas dans les toilettes, s'il vous plaît. Pas dans les toilettes. Jetez ça à travers la fenêtre. Jetez ça. Essayez de ne pas verser l'eau à quelqu'un. Jetez ça quelque part où ça va couler, d'accord? Voilà. Faites un vœu ici à ma Marie et demandez ce que vous voulez pour sortir ici de cette guérison. Trouver cette guérison, trouver votre force. Revivre tout simplement. Sortir de cette mort physique. De cette mort spirituelle. Parce qu'il y a des gens ici qui ont des muscles qui ont meurtri ici. D'accord? Et de retrouver votre indépendance, votre autonomie et partir vers des nouvelles aventures, vers des nouvelles horizons, vers des nouveaux horizons, oui. Vers une nouvelle vision de la vie également, on me dit. On parle de miracles ici. D'accord? Et on vous dit de suivre le mouvement. Go with follow.
de with flow, tu veux le mouvement. Je vais demander une carte de Maman Marie. Quel est le conseil de Maman Marie ici? Elle vous dit, Maman Marie, honnêteté. Elle vous dit, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Et on nous parle d'espoir. Elle vous demande de garder l'espoir ici, mes belles amies. Espoir. Je sais que Dieu connaît une situation, une solution autant pour moi, merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et enfin, on parle de santé, comme par hasard. Santé, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. On a parlé de miracles ici, tout à l'heure, avec le magicien. Oui, on vous confirme pour la santé. Je sais que mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Et enfin, on parle ici de limites. Vous avez laissé les gens aller au-delà de la limite. On vous dit ici, avec la limite ici, limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Il faut être très clair dans ce que vous voulez et dans ce que vous ne voulez pas. Et dans ce que vous pouvez faire, donner, et dans ce que vous ne pouvez pas faire et donner. Moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. Et on vous dit d'indulgence. Indulgence, je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Et enfin, on parle de tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Vous avez de la force et vous avez de la douceur, hein? On vous dit, enfin, intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Et on vous parle de l'enfant intérieur. En dehors des decks, on parle de l'amour ici. Amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. L'enfant intérieur vous dit ici, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. L'enfant intérieur est abîmé, l'enfant intérieur est en souffrance. On vous dit ici de prendre, commencer à prendre soin de votre enfant intérieur et rester sobre ici, sobriété. Ne tombez pas dans l'alcool, ne tombez pas dans la drogue. On vous demande de rester sobre ici. Les dépendances, quelle que soit la dépendance à laquelle vous avez envie d'aller prendre une bouteille peut-être parce que vous voulez noyer votre chagrin, on vous demande de rester sobre ici. Vous avez demandé une guérison miraculeuse. Attendez, elle arrive. On a dit de patienter. C'est la fin, là, pour aller vers un nouveau cycle. On vous dit ici, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Si vous prenez l'alcool et la drogue, comment vous voulez être lucide pour demander à Dieu, pour prier, pour avoir les deux clés là pour ouvrir, les deux portes que vous voulez ouvrir? Vous voulez ouvrir deux portes, là, clairement. Le cœur et peut-être le travail, la famille et peut-être le travail. Un enfant et votre cœur, je ne sais pas, vous voulez ouvrir deux portes là. Mais on vous demande de rester sobre ici. Si vous aviez tendance à prendre beaucoup de médicaments pour vous requinquer, restez sobre ici. Ne tombez pas dans les dépendances malsaines, médicamenteuses, alcool, drogue, je ne sais pas quel genre de dépendance vous avez, mais on vous demande de rester sobre ici. Laissez tout excès nuit, laissez toutes ces dépendances. Et écoutez la guidance intérieure et se demander au divin, demander à Dieu, demander à Maman Marie ici et demander l'aide de Sainte Thérèse dans cette situation. Voilà mes belles âmes, on vous demande tout simplement d'accueillir votre miracle ici. J'entends encore cleaning body and spirit. On vous demande de nettoyer votre corps et votre esprit à partir de l'eau. Encore une fois, on parle de l'eau. Nettoyage à partir de l'eau. Vous pouvez faire un bain également ici, vous pouvez faire un soin énergétique, vous pouvez vous inscrire à mon séminaire prochain. Pour venir à Cannes faire un nettoyage profond à l'eau de mer par moi-même. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et que cette guidance vous apporte des réponses de votre enfant intérieur et vous redonne la guérison miraculeuse que vous attendez ici depuis longtemps. J'ai dit redonne. C'est peut-être un astuce révélateur pour certaines personnes. Peut-être que ce n'est pas la première fois que vous tombez dans cette situation, que vous soyez à terre comme ça. Peut-être que c'est la deuxième fois. Mais on vous dit ici que c'est la fin. Vous avez peut-être essayé de vous relever, vous êtes retombé. On vous dit que c'est la fin. Le soleil revient là et il y a une guérison miraculeuse. Œil de tigre, rubis pour passer par ce changement. Il y a deux choses ici. Il y a des personnes ici qui sont dans cette guidance qui vont avoir deux clés. Je me répète et j'insiste. Deux clés pour ouvrir deux portes qui étaient bloquées. Écoutez la guide ici, écoutez la guidance intérieure de votre enfant intérieur. Il y a un guide là spirituel qui n'est pas
qui est de l'autre côté, qui vous aide ici à retrouver cette autonomie, cette indépendance, d'accord? Financière pour certains. J'entends beaucoup parler de finances également, d'accord? Je vous remercie, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Namasté. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous. Coucou, mes belles âmes, pour les personnes qui ont fait ce troisième choix avec le tarot des sorcières, encore appelé en anglais Everyday Witch Tarot. Everyday Witch Tarot. Si vous voulez le chercher, que ce soit sur Amazon ou ailleurs, vous pouvez le trouver. Donc, avec la pierre citrine, je vous ai expliqué dès le départ à quoi servait la citrine. Donc, sans plus tarder, on va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous sur cette édition spéciale 21h avec Marie. On a la justice ici. Il y a une situation qui concerne la justice là, où on se bat. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice de Dieu. On vous dit ici, la première carte vient de tomber, ça veut dire vous allez réussir. Il y a une réussite là, comme cela, une justice. Vous allez retrouver une indépendance, une autonomie par rapport à cette justice. Peut-être que c'est un prix d'homme, je ne sais pas. Et si cette justice a été donnée par les hommes ici, et que vous avez perdu ce combat-là, ce n'est pas ce que j'ai encore pour l'instant, mais on vous dit que tout compte fait, vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance pour aller de l'avant. Écoutez bien tous les messages qui viennent. J'adore vos cartes, c'est magnifique, les belles âmes. Magnifique, merci Seigneur. Come on. Come on. Yes. Ok. Aujourd'hui, le jeu d'avant était également comme ça. Aujourd'hui, votre énergie est comme ça, mes belles âmes. Vous êtes dans une énergie ici de 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la carte où l'énergie où on est à terre. Où on a morflé, où on a perdu peut-être aussi un procès. D'accord? On a perdu peut-être aussi un procès. On parle de justice des hommes ici, qui n'était pas celle des dieux. Cette situation vous a mis à terre. Si vous êtes dans cette guidance de 21h avec Marie et que vous avez perdu ce procès, on parle de la justice des hommes qui vous a mis à terre. Une situation qui vous a mis à terre, qui n'était pas la justice des dieux. C'est pour ça que Marie vient aujourd'hui dans votre vie, vous dit que sa justice à elle, elle arrive. Et oui. Sa justice à elle, elle arrive. Parce que c'est eux là-haut qui ont le dernier mot. Et non les hommes. Les hommes peuvent faire des erreurs. Hein. Et d'ailleurs, si vous êtes là, dans cet état, et que j'ai ces cartes-là, il y a eu quelque chose qui a été dans une erreur là, qui vous a mis dans cet état. Et on me dit que d'une certaine manière, c'était un chemin qui devait vous permettre de vous élever. Chacun a son lot de souffrance et chacun a son lot de consolation. Là, on vous apporte de la consolation. Chacun a son chemin de pénitence. Je ne sais pas ce que vous avez traversé comme difficulté. Bien sûr, dans une guidance générale, si vous vous retrouvez dans cette situation d'injustice des hommes ici, cette guidance vous concerne. Mais on peut ne pas être dans une forme d'injustice des hommes, on peut ne pas être dans une justice d'un procès, de quelque chose de ce genre, mais on parle d'une situation qui vous a mis à terre, que vous avez vécu comme une injustice, hein? Pas forcément à passer devant la barre. Il y a une situation qui vous avez vécue comme une forme d'injustice. Que vous soyez passé devant la barre avec un avocat, avec un procès, avec un verdict, avec des accusations ou pas. C'est une situation que vous avez vécue comme une forme d'injustice. On vous dit ici que vous êtes ici aujourd'hui, vous allez retrouver votre indépendance avec la 9 des pentacles. Votre indépendance proprement dite, d'une certaine manière qu'elle concerne une famille, qu'elle concerne un foyer, qu'elle concerne le travail, qu'elle concerne un enfant, qu'elle concerne un décès, vous allez retrouver votre force ici.
cette carte, vous allez retrouver la joie, la paix, la plénitude, la liberté, la légèreté ici, ce soir, à 21h avec Marie sur cette guidance. On parle ici avec la 7 de Pentacle. On fait le bilan là de situation. On a fait le bilan, ou on est en train de faire le bilan, ou on l'a fait. On attend peut-être des réponses juridiques pour certains, ou des réponses tout simplement, des papiers administratifs pour quitter un endroit, pour quitter une situation, pour quitter cette souffrance. Ce n'est pas forcément quitter physiquement, mais ça peut aussi l'être. Cette carte, elle parle de quitter un endroit physiquement ou partir ailleurs. Mais ça peut aussi être quitter cette souffrance mentale. Mais les trois bâtons, c'est plus quitter un endroit physique. On tourne le dos à un endroit qui nous a été, qui nous a mis dans cet état-là. Peut-être c'est un hôpital. Peut-être vous avez été passé par un coma, par une douleur, une souffrance profonde. Je ne sais pas. Vous quittez cet endroit-là physiquement pour aller vers plus d'harmonie, pour retrouver votre harmonie de l'enfant, de la joie intérieure, de l'enfant intérieur, pour retrouver la paix, pour retrouver la légèreté, pour retrouver la guérison. On vous dit ici, la carte centrale parle de, du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique. C'est la reconnaissance d'une famille pour ce que vous avez donné aux autres et qui vous ont peut-être marché sur les pieds. Je ne sais pas quelle est votre histoire. Mais vous allez être mis en lumière, mis en avant. Ça, c'est la carte où vous arrivez à la place publique, à la place du village, où on applaudit parce que vous êtes le soldat qui a été se battre contre peut-être une maladie. Vous êtes sorti de l'hôpital. Vous avez gagné, vous avez vaincu la maladie. Vous avez peut-être été vous battre. Vous êtes peut-être vraiment un soldat. Vous étiez dans une bataille, dans une, à la guerre, j'en sais rien. Ou vous avez un enfant qui a été dans un... Je ne sais pas moi, au Mali, on parle du Mali ici, qui est revenu. Je ne connais pas votre histoire, mais ça, c'est la carte de la reconnaissance publique, de la reconnaissance d'un village, d'un peuple, d'une famille, par rapport à ce que vous avez fait et qui vous a mis dans une épreuve difficile, douloureuse. La reconnaissance de vos propres enfants, qui n'ont pas vu jusqu'à présent vos mérites, votre travail, vous allez l'avoir là. Eh oui. On parle d'empereur. Ça peut être avec un mari. Oui, aussi. J'ai un empereur ici qui va peut-être reconnaître votre valeur. Ou c'est vous qui allez retrouver cette reconnaissance-ci pour aller retrouver votre énergie d'empereur. Que vous soyez une femme encore une fois ou homme, ça c'est une énergie. L'empereur, c'est une énergie de force masculine. Ça peut être que si vous êtes une femme, vous allez retrouver cette reconnaissance avec un homme, auprès d'un homme. Ou si vous avez un homme ici qui vous a peut-être négligé, qui vous a bafoué ici, vous allez retrouver, il va vous remettre ce trophée, cette victoire, la médaille d'honneur ici. Ça peut aussi être le mérite national, le mérite public ici, par rapport à un travail que vous avez fait. On parle avec la roue de la fortune ici, avec la, vous voyez, l'abscisse révélateur. Ce sont des arcanes majeures. On a l'empereur, on a le fou. On parle d'une situation qui va avancer. Quelque chose qui va aller de manière rapide ici. Quelque chose qui va être soudain également. D'accord? Ici, avec le fou, on s'en va. On part vers la croisée des chemins peut-être ici. On va prendre une nouvelle direction. Cette situation va nous permettre... Cette reconnaissance, peut-être c'est une reconnaissance publique, c'est peut-être c'est la reconnaissance d'un mari, d'un papa... Avec cette reconnaissance, vous allez pouvoir partir, vous trouver une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau chevaux peut-être aussi. Peut-être que c'est un héritage que vous allez recevoir pour aller vous reconstruire, on me dit. On parle de l'étranger ici pour certains. On parle de déménagement. On parle de nouvelle ville. On parle de nouvelle maison. On parle de partir vers un autre lieu, vers une autre terre. Quitter un endroit où on était comme ça. Ça, c'est la carte de la mini-mort. Du coban, du repos, du ressourcement, encore une fois. N'oubliez pas que 21 avec Marie sur cette chaîne, ce sont les personnes qui sont dans une situation qui nous a mis en souffrance, dans une forme de souffrance. On vous parle ici, vous allez peut-être signer des contrats.
dans un domaine qui concerne la spiritualité, peut-être, où vous allez signer un contrat professionnel avec quelqu'un qui est lui-même très spirituel, ou c'est vous qui êtes spirituel. Ou, encore une fois, ce message peut vous dire ici, de demander à la source, si vous avez un contrat à signer, un engagement à faire. J'entends aussi parler d'achat d'appartement. Demandez à la source ici de vous aider pour que les papiers, les documents que vous attendez peut-être ici, vous amènent vers cette réussite. Mais j'entends parler de reconnaissance, hein, de réussite. Hein. On vous dit que vous allez faire un choix. Le choix de quitter vos blocages. Ça peut être vos blocages intérieurs ici dans votre mental. Ça peut être des blocages dans une relation avec un homme, avec un enfant. On vous dit que vous avez le choix de quitter ces blocages. On a la carte du miracle ici, le magicien. Le magicien, c'est celui qui transforme l'eau en vin. C'est celui qui transforme le plomb en or. C'est celui qui transforme ce qui est l'alchimiste de sa vie. On vous dit ici, c'est vous qui devez faire le choix. Arrêtez de procrastiner, de quitter cette situation, cet état-là, de mini-mort, de mort mentale ici. D'accord? Si c'est votre enfant qui est alité, qui est malade ici, on vous dit que vous allez faire le choix ici, grâce à vos guides, de quitter cet état. Vous allez demander à la source de vous aider ici. Vous allez faire des prières ici. Et la source trouvera les réponses pour que cette personne quitte cette souffrance. Parce qu'il y a une personne qui souffre là. Comme une condamnation en fait. Comme si cette personne était condamnée. Pour certains, guidance générale, gardez bien votre libre arbitre. Je ne suis pas en train de vous conseiller, si vous avez quelqu'un qui a un soin palliatif, d'en finir avec sa vie, ou bien de faire, on ne donne même pas le mot, donc vous avez compris, de mettre fin à la vie de quelqu'un ici qui souffre. Je ne suis pas en train de vous le conseiller parce que ce n'est pas à nous de décider. Ce n'est pas à nous de décider. Mais on vous dit que vous allez faire un choix ici et que vous allez demander à vos guides, avec la carte du pape, de vous aider, de vous accompagner, de vous donner la sagesse parce que vous allez être le magicien de votre vie ici. C'est vous qui allez faire le choix de quitter ces blocages et personne d'autre. On a l'ermite ici qui demande encore de méditer profondément, de demander à la source ici. L'ermite, c'est ce grand sage qui va dans sa grotte pour prier, pour demander au divin des réponses par rapport à une situation, parce qu'on ne voit plus clair, parce qu'on n'a plus de réponses à nous, parce qu'on n'a pas compris que les réponses sont en nous. C'est pour ça qu'on vous dit, la Bible vous dit, rentrez dans votre chambre, dans votre couche, parlez à Dieu, puis taisez-vous. Ici, une fois que vous avez demandé au divin, il sait quoi faire. Il va vous guider, il va vous aider. Et vous allez retrouver la joie avec une famille, avec une maison qui était effondrée peut-être. Il y a quelque chose ici qui a mis une famille à terre. Il y a quelque chose ici qui a été, peut-être c'est la mort d'un enfant, peut-être c'est la mort d'un papa, d'une maman, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui a mis une famille à terre. La tour. On vous dit, avec la citrine, demandez de l'aide. La guérison ici, la citrine va apaiser les douleurs. Il y a des gens qui ont mal partout là. Mettez une pierre de citrine sur vous, ça va vous aider beaucoup. J'insiste, je répète. Et demandez l'aide de la Providence pour votre famille, pour cette famille qui a été dans la douleur, dans la souffrance. D'accord? On parle de retrouver sa force ici et son indépendance avec le roi de Pentacles. De retrouver également peut-être l'énergie financière ici. L'énergie, l'argent, c'est une énergie. Peut-être que vous avez manqué des finances, vous avez manqué d'argent ici. Il y a une situation qui a concerné, qui vous a mis à terre ici financièrement. On vous dit de demander, ou vous avez dû vous battre ici, vous protéger votre famille. On vous dit de demander à la source ici, vous quitter cette souffrance avec le 10 d'épée ici. On quitte ça, d'accord? On quitte cette souffrance pour aller vers son abondance, son indépendance en tant que reine des pentacles ici. Et il y a un fardeau à déposer ici. Déposez ce fardeau au pied de la croix. Déposez ce combat, cette lutte-là. Déposez ça ce soir auprès de Maman Marie. Et quittez cette autodestruction, cette autodépendance. Il y a une situation qui vous enlise là. Vous n'arrivez pas à sortir.
une situation où on est attaché, où on est bloqué, où on a peur, on est dans le mental également. Il y a le mental et le corps qui souffrent ici, dans cette situation. On parle que vous avez vu clair, vous allez voir clair ici pour aller de l'avant, pour faire un nouveau choix, pour aller vers un nouveau départ ici. C'est à vous de faire le choix parce que vous avez vu clair. La 8 d'épée, c'est la carte où on a les yeux bandés, les mains attachées. On vous dit que ce n'est pas noué, vous pouvez vous défaire pour partir. Vous allez partir. Ou peut-être pour certains, vous êtes déjà parti. Donc, si vous êtes déjà parti, demandez de l'aide de la Providence pour vous permettre de retrouver cette autonomie, cette indépendance financière. Peut-être que vous êtes parti et que pour l'instant, c'est encore la galère pour certains, mais vous allez retrouver la reconnaissance ici. Vous allez rentrer, vous allez avoir des rentrées d'argent. Vous allez avoir des rentrées d'argent. On parle de guérison encore une fois. Je vais demander à mon mari ici. Pour une famille qui a été à terre là, il y a des gens ici qui ça concerne une famille pour certains. On vous dit demander l'aide de Jésus-Christ dans cette situation. D'accord? Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai derrière? On vous demande de rester optimiste. Optimiste par rapport aux attentes. Il y a quelque chose que vous attendez pour peut-être partir. Pour certains, on dit, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. On vous parle de la foi ici. Gardez votre foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. On parle de bienfaits. Pour le nouveau départ, pour la direction ici. Vous attendez de prendre une direction. Vous êtes dans l'indécision aussi. On dit, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. On parle d'enthousiasme ici avec la reine des Pentacles. La reine des Pentacles, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui détient la fortune, les deniers et qui la redistribue. Peut-être c'est une maman qui va vous faire un don ici, un cadeau. Peut-être c'est un papa, ça peut être, c'est une énergie, hein. Ça peut être un papa qui a une énergie peut-être féminine ici, ou une maman qui a des moyens qui va vous donner la possibilité de partir vers un nouveau départ. Mais on vous dit ici que pour l'instant, vous êtes dans une forme d'autodestruction, vous êtes dans une forme d'autosabotage, vous êtes dans une forme de comme une condamnation, j'entends, comme quelqu'un qui est bloqué, qui est coincé dans une situation où on n'a pas, où on a les œillets peut-être aussi, on ne peut pas voir la vérité, mais on vous dit de faire le choix. Et vous allez retrouver cet enthousiasme ici, une fois que vous allez faire votre choix, pour aller de l'avant. La direction à suivre est présentement celle qui me passionne le plus. On vous dit de demander l'aide de Jésus-Christ dans cette situation, mes belles âmes. Et enfin, qu'est-ce que j'ai ici? Enfant intérieur. Prenez soin de l'enfant intérieur qui est en vous. Je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. On vous dit de garder votre légèreté d'enfant intérieur ici, d'enfant ici. On vous parle de donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. On parle de vérité, de famille. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. On parle ici, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Famille, je me répète avec la phrase, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On a parlé de famille tout à l'heure beaucoup, d'accord? On vous parle de donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Je m'arrête sur la carte de la famille et la foi. Gardez la foi pour votre famille ici, mes belles âmes, et demandez l'aide de Jésus-Christ dans cette situation. Voilà. On vous dit, on parle ici enfin de gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. En fait, cette carte, elle vous dit ici que vous pouvez déjà commencer à accueillir ce qu'on va vous donner. Et qu'avant ça, regardez autour de vous ce que vous avez déjà reçu de la part du divin, de la part de Dieu, de la part de la source, dans votre vie, ce que vous avez déjà reçu dans votre vie. Et on vous dit, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Vous allez recevoir, vous allez accueillir, parce que votre foi est inébranlable, parce que votre foi vous amène vers cet optimisme-là qui vous fait comprendre que vous attendez toujours à des bons événements et ils arrivent. Vous le savez de toute façon. Et Jésus-Christ va vous guider parce que vous allez savoir comment le demander ici encore une fois. Je vous remercie, mes belles âmes, d'avoir écouté cette guidance.
On vous dit que vous allez quitter cet état de souffrance grâce à votre foi et vous allez recevoir des bienfaits et les cadeaux divins. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et merci encore pour les 7000 abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Infinie gratitude. Merci. Namasté. Bonjour mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr il y a également des soins à distance que je procure. Donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.